bonsoir, vous nous suivez partout dans le monde entier. Kinshasa, plus 243, plus 33, France, plus 32, Belgique, et pourquoi pas, sans oublier, je dis un grand merci et à celui qu'on appelle le vieux Thibaut, notre boss de la chaîne EcoRDC. Voilà, vous qui nous suivez de partout, merci d'être là, merci de vous abonner, continuez toujours de vous abonner. Alors, avant de vous présenter aujourd'hui mon invité, alors j'aimerais bien passer un message à tous nos abonnés. Alors voilà, vous avez eu un temps mort, vous n'ont pas nourri, alors de passer une bilé, une habileté comme d'habitude, à travers Eloubou, télé-réalité, vous avez constaté tous ces temps. Alors, nous avons un message à vous passer. Nous sommes très désolés. Alors, tout ça, vraiment désolés. Nous avons eu un problème technique. Alors, voilà, on peut constater qu'il y a un temps mort au Nyonsor. Et nous sommes vraiment désolés pour ça. Et nous vous remercions encore de plus d'être là, de nous soutenir toujours. Ben, message Nabino et Salarabi sont bien. Alors voilà les messages à vous passer et on vous aime beaucoup. Voilà, continuez toujours de vous abonner et ne vous arrêtez pas et nous, on vous aime beaucoup. Voilà, sans plus tarder aujourd'hui, j'ai un invité au Nazo Yambelabino. Beaucoup de découvriers déjà, Banapoto, Bazayako, Sepela, et Yébi déjà, les messieurs en question. Et alors aujourd'hui, vous avez découvert les sous-sous, Nakats Karate, s'il faut déjà les dévoiler. Mais ce qu'on a 4 c'est EcoRDC, une grande chaîne, votre chaîne de préférence, chaîne Oyo Bolinga Kaming. Alors, merci et j'ai dit déjà bonjour à mon invité. Bonjour, monsieur. Bonjour, maman journaliste. Oui, voilà, Valentina Bisso, il y a EcoRDC, Bazolandayo. Si vous pourrez dire un bonjour, un bonsoir, okay. Et puis te présenter aussi également. Ok, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous suivez en ce moment. Ouais. C'est le frère d'Yarsine Mpongo, Samuel, artiste Madiabou. Bon, je vais dire candidat Madiabou pour le moment. Oui. Voilà. Je suis chantre de l'éternel, voilà. Mm-hmm. Ok. Voilà, merci à vous, Monsieur Diarsi, s'il faut le dire, le frère Diarsi. Diarsini, voilà. Diarsini, voilà. Okay. Voilà, merci, Mamouine Abisso, de découvrir déjà comment inviter. Parce que déjà, vous avez un peu de temps, tu es bien, tout le monde est dans ma diabou. Vraiment. Alors, voilà, sans plus tarder, nous allons déjà, comme on a déjà, Nakati Rouyeba, qui est. Yarsini. Ok. Voilà. Votre présentation. Yarsini, c'est. Bon, il est encore célibataire, voilà. Célibataire sans enfant, voilà. C'est un musicien chrétien, voilà. Je suis ingénieur électricien de formation. J'ai fini à l'ISTA Nolo. Voilà, après un temps, je me suis un peu déplacé, Lubumbashi, Kolozi, j'ai un peu sillonné le Katanga. Après, voilà. Quand j'ai reçu l'appel des dieux, je me suis dit, bon, je rentre à Kin, je suis rentré. En 2018, vers le mois de décembre, vers la fin, juste pour ces ministères, voilà. Donc, c'est un peu ça le tout, quoi. Quand est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale? Oh, ma carrière, vraiment. J'ai commencé vraiment, j'ai pris la conscience de la chose en 2017. Tout au début d'abord, c'était comment? Et là, qui on est nini? Déjà, j'ai grandi dans la famille avec un musicien, mon père. Mon père, c'est un pasteur et puis auteur-compositeur. Donc, c'était déjà dans le son. Les soirs, il nous rassemblait comme ça, il nous apprenait ses chansons. Mm-hmm. Et puis, ça grandissait en nous. Déjà à 6 ans, mm-hmm. j'étais déjà dans la chorale, les kodim. Et puis, voilà, on a grandi dans ça. À un moment donné, mais comme la base était déjà là, nos parents avaient déjà planifié, ils avaient déjà montré le chemin des dieux. Déjà à 18 ans, dans Zonga qui vraiment j'ai commencé encore à servir Dieu. Et ça continuait comme ça, j'ai chanté dans des églises. Et puis, quand je suis arrivé à Kin, quand j'ai intégré la chapelle des vainqueurs, Limité, c'est là que la chose a commencé à grandir. Et puis, mais j'ai commencé vraiment à prendre la conscience que je suis appelé dans la musique chrétienne. Déjà en 2009-2010. Okay. Voilà, c'est depuis un peu longtemps. Ça. Voilà, depuis, oui. Quand j'étais encore étudiant. Mais j'ai commencé vraiment à enregistrer mes chansons en 2015-2016, voilà, c'est un peu ça. Toujours chez vous, dans quelle église? Non, ce n'était plus de la chapelle, là, c'était ma carrière. J'ai commencé à enregistrer, votre carrière, voilà, en 2000,
2016-2015, c'est là que j'ai commencé un peu à essayer avec mes chansons. Mm-hmm. Et pour la première fois, en 2017, j'ai lancé une chanson au niveau de ma province natale, à Kananga, mm-hmm. qui avait vraiment bien marché, mais je n'ai pas eu le temps d'aller là-bas parce que là, je quittais déjà Lubumbashi vers Kolwezi, mm-hmm. là où je partais travailler. Et je n'ai pas eu le temps de bien suivre la chose de près, mais quand même, j'ai eu à passer des émissions par-ci, par-là, de loin, mm-hmm. avec le journaliste de la place. Voilà. Et en 2017-2018, vers la fin, je prends la décision de rentrer à Kin pour commencer vraiment la carrière parce que Kin est un miroir, quoi. Oui, voilà, Balina Bisso, il y a Echo RDC, votre chaîne de préférence. Alors, continuez de vous abonner. Là, je vois un big up à toi, celui qu'on appelle Onya la beauté. Depuis la France, je te salue. Big up à toi. Et sans oublier à toi, notre boss, Jean Tubo, Tubobois. Et sans oublier à toi aussi, Margot Tomona. Alors voilà. Voilà le frère Dercy. Ouais. Vous avez commencé votre carrière en 2009. Non, en 2017. J'ai commencé à chanter à la chapelle okay. en 2009. Voilà. Mm-hmm. 2017. Uh-huh. Revenons à Katia Madjab. Uh-huh. Okay. Qu'est-ce qui t'a poussé? Oh, bien Madjab. Que uh-huh. bien que tu avais déjà tes temps là bien okay. que c'est la Bandaki aussi okay. au Bandaki uh-huh. mais quelque chose, qu'est-ce qui t'a poussé à venir na Katia Madjab? Madjab, je me suis dit bon déjà na sala fanatique à ba télé réalité en ngona déjà na tala ba The Voice c'est grâce à ba télé réalité en ngona ndé ba to ba zora moi visibilité donc j'avais déjà mon talent j'avais déjà mes chansons. Mais ce que j'ai manqué, c'était un producteur, la visibilité. Mm-hmm. Voilà, je me suis dit, déjà quand je suis rentré en 2018, je n'avais déjà quoi enregistrer dans mon studio, mais je n'avais pas de producteur, je n'avais pas la visibilité. Bon, et je me suis dit, avec Madjab ou peut-être, Dieu va faire grâce à ce que je sois découvert mm-hmm. à travers le monde. C'est la première, bon, je peux dire, c'est la grande raison qui m'a poussé à participer à Madjab. Je n'étais même pas là pour gagner. Moi, je me disais, si on a les gars une fois et que j'ai ma visibilité, je peux arrêter là, la bandit ma Kamunangaï. Voilà, merci à vous, le frère Diarsini. Oui. C'était toujours la conviction de Tindakio ou Mbanzimbouana. Ah, la chanson, d'ailleurs. Vous avez épaté tout le monde. Vraiment. Déjà, comme j'aime trop Papa Mike Alambaï, je me disais, je pouvais faire un morceau de lui. Mais bon, je n'ai pas compris. C'était sur place. Déjà, parce que Benginga pour n'a passé casting, uh-huh. j'avais jusque-là l'embarras des choix. Là, il m'en disait, mon papa Mike, papa Matou, mm-hmm. parce qu'ils sont parmi mes mentors. Mm-hmm. Et, du coup, je me dis, bon, écoute, aimé Namoutou, comme uh-huh. déjà, na salango on a confirmé quelque part, bah, CPR, je me suis dit, bon, que j'essaie un peu de faire ça. Uh-huh. Et puis, na sala Kiango, je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Uh-huh. Voilà, j'ai juste chanté comme le Saint-Esprit m'avait conduit. Voilà. Oui, voilà, un extrait pour nos très chers abonnés, pour ce bel macasque, Yogangosko. En live dans notre chaîne Eko Aimé. Onye wani ezitewo dibonzia kenu nyiren. You are the living God. Eze no one like you. You're my healer. You are my keeper. My restorer. You are my love giver. You are the living God. Is there no one like you? No one can do me like you do, God. No one can touch me like you do, Jesus. Hallelujah. You are the living God. Oh, is there no one like you? Écoute-moi, écoute-moi. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des gens qui ont crié à la maison. Il y a Mama. Des gens. Et bah, c'est Pedro Marquez. Ok. Les larmes même aux yeux parce qu'il avait déjà. Je viens de comprendre que ce n'est pas quelque chose de l'ordinaire. Ok. Mais c'est de l'extraordinaire. Amen, gloire à Dieu. Oui. Voilà, notre cher abonné, Osebine Makas, qui a déjà son en live. On peut aller dans ma diable parce qu'on a beau talent, est-ce qu'on a écho RDC? Quelle joie, quel plaisir. Voilà, est-ce que le frère Diarsi. Ouais. Est-ce qu'on s'est rendu compte de la diction? S'il faut dire diction, on a un mot anglais. Et on aura la moutoumba, on a un mot. Pourtant, déjà, dans ma diabou, on va tenir compte plus diction. Diction. Non, okay. C'est pas diction, mais un mot. Ok. Quand on est en français, on va tout de suite avoir un mot. Ce qu'on a en anglais.
Et ça, on est là, parce que moi, quand on a battu, on a dégagé. Ok. Ils étaient émus. Donc, c'est là qu'on est. Bon, déjà, les réseaux qui sont en compétition, je sais qu'ils sont devant. Serge Deborah qui parle bien l'anglais, Serge Rossini qui surtout parle bien l'anglais, Papa Kaseba qui avant dans les États-Unis. Donc quand tu parles en anglais, il faut être sûr que Okoyemba Bayoka, parce que Bamoso va éviter déjà la Kokata. J'ai vu des gens qui chantaient très bien, mais juste pour la diction, la Katani. Bon, déjà, Dieu nous a fait grâce dans mon église, c'est une église anglophone, la Chapelle des Vainqueurs. Déjà, on chante là-bas en anglais parfois, et la chanson coulait, et, bon, je me suis dit, bon, on a église, que je ne vois pas qui va tout vendre dans un pays anglophone, bazar, que je le fasse juste comme ça. Et puis, avec le Saint-Esprit, c'est passé automatiquement. Ok, voilà. Quelle était ta motivation? Au monde, tu as télé, tu as télé. Et puis, tu as reçu aussi des messages, c'est que je sache. Oui, oui. Bon, moi, ces gens-là, on a quitté, vraiment. Des appels, des gens, on a quitté. C'est ça qu'on a dit, au fin du bois, on est vraiment Mike Kalambay, à Télémy, tu vois, des serres Deborah, très émis. Et, ben, nous, comme soupé, non seulement ça, et ce qu'il y en a été, je crois bien. Ben, a quitté avec tout. Ces motivations, et c'est là qu'on a eu des sentiments, vraiment, ça qui n'ont. Ah, bon, je pourrais dire que. Comme je l'ai dit, parfois, quand on va presser en route, ce n'est pas vraiment une surprise dans le sens que les gens dans le confinement, partout où je faisais ça, je voyais quand même ma réaction encore positive. C'est ce qui m'a permis à ce que. C'est ce qui m'a poussé à garder la même chanson. Mais déjà, j'étais ému, j'étais content de voir que juste après que cette prestation soit diffusée, j'avais eu des appels de partout. Bah, on a habité États-Unis, Europe, Chine, de partout, les gens qui me disent. Vraiment, tu fais bien ton travail. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que les gens apprécient déjà ce que je fais sans album sur le marché. Juste vraiment. Moi, extrait à une minute, je vois les gens émis comme ça. Je tu me dis, mais bon. Tu rends grâce à qui? À Dieu. Je rends grâce à Dieu, celui qui m'a donné ces talents. Voilà. Et je dis aussi merci à papa Mike qui a créé mon talent depuis confinement. Vraiment. Voilà. Donc, vous êtes déjà connu avant, Madjab? Je dirais oui. Parce que la confinement. C'est pas une faveur, peut-être. Non, c'est pas une faveur. C'est pas parce que tout ça qui est belo na batu comme on est là sotali il y a beaucoup de gens bah ibani pena ba membre à jurer même ba katani je crois Madjab ou baza trop strict donc baza vraiment c'est une compétition vraiment crédible. Si vous voyez les gens qui sont retenus bon moment qu'il n'y a pas de tricage quelque chose comme ça donc ils a pena bazo za batu selon ba mérite ya musala na bango. Voilà, le frère Diarsini, est-ce que tu varies na voix na yoana? Ou soit c'est ton style de chanter, tu restes comme ça ou soit tu varies? Je veux dire, non, moi je suis déjà congolais, c'est-à-dire Tokoli na barumba na biso awa. Rapper les kanaon. Ah rap na meka rap mon ke kala mais j'ai pas encore développé ça mais je dois développer aussi ça. Hein, mais je suis plus dans des styles différents, voilà. Je peux faire la rumba, je peux faire les gospel américains. Donc j'essaie au moins de travailler tous les styles possibles parce qu'on ne sait pas le biogouta nanani. Quand tu cherches à faire le featuring avec quelqu'un, il faut au sein d'un style, n'ayez pas à l'aise. Donc, je travaille déjà en fonction de ça. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Il y a des impressions. Tout le monde a un Madjab. Quand tu finis, on te félicite, on te dit à la prochaine, n'hésitez pas de nous revenir. Voilà, ceci. Parce que au moins, il y a un télémi. Est-ce que les gens qui ont un télémi, ils ont bien? C'était juste une façon de te motiver parce que na ta voix bablo que bébé les alors on a ba timbre na yebi pena mingité mais je connais au moins que na voix ya mutu tout ça compte tout ton monde ba télé mais tu t'es dit quoi? Bon, déjà quand je chantais natala ki bangote, donc quand je chantais j'étais juste concentré na prestation na ngai. C'est après que et comme les gars na télé né na moni ba réaction na bango, mais vraiment quand je chantais natala ki pena bangote, mais quand même j'écoutais bato azala ki autour, il y a la salle, Zala qui est émerveillé par la prestation. Déjà, toi-même, quand tu fais bien ton travail, en tant que musicien, aux oreilles musicales, tu sauras que Naïmi bien, toi, Naïmi m'a bé. J'étais quand même d'accord avec moi-même que Naïmi m'a dit bien. Mes réactions à jury, je ne savais pas, je n'ai mon avis en monté. C'est juste après que les gars qui n'ont télé, j'ai commencé à voir que voilà, Zala qui est bon. Voilà, les frères Diarsini. Ton idole. Bon, nous, en tant que chrétiens, on ne parle pas d'idole, on parle de mentor. Ah, ok, de mentor. Voilà. En ce que je sache, mentor, c'est un mentor qui est venu. Non, non. C'est,
Le mentorship, donc, nous tous, on est un modèle. C'est ah ça, oui, c'est la ça, un mentor. Que tu prends voilà, comme, c'est un mentor. Comme un modèle. J'en ai tellement nombreux. Mm-hmm. Mais au Congo, c'est plus Papa Mike Alambaï. C'est plus mm-hmm. Papa Mike. J'ai fait aussi un peu de Papa Matou Samuel, mm-hmm. un peu du Mike Flore, mais plus, mm-hmm. c'est Papa Mike Alambaï. Une chanson de Mike Alambaï. Oh, il s'est appelé Ibele, je fais quoi? Laisse moi moulou, ou à quoi la mouchi maïo, kafou la mouba. Mulunda muyampe kyabaki babwa na leza lesa mukatampe ya ulonge byantumbo leza muyampe hey kumwambaze wabingelele ni byongeno wamitata ya ulonge byantumbo wa uwezo yote mchungaji wangu akimbilia wapi. Paka kwa kubava, hey. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci le frère Mike Alambaï. J'espère que bien. Vous allez suivre votre. Son fils dans le ministère. Oui, voilà. Dans le ministère. Voilà. Et voilà, c'est, vous êtes un modèle pour lui. Et j'espère que Ezara Kayete va te bénir et va lui donner Mike Alambaï. Amen. Et voilà. Et est-ce que Madjab t'a apporté quoi depuis que tu es là? Voir, bon, voilà, Madjab t'apporte quoi d'abord? Oh, Madjab, je profite de l'occasion pour la regrouper ça dans le... Bah, merci et Bélé. Déjà, je peux dire qu'ils m'ont fait gagner 5 ans. Vraiment? Bah, ils m'ont déjà fait gagner 5 ans. Parce qu'avant, peu à Madjab, j'avais déjà commencé à essayer de faire ma promotion personnelle avec le peu de moyens qu'on avait. C'était pas facile du tout, c'était pas facile. Parce que moi, je pensais toujours faire... Je pense toujours faire une carrière internationale. Je ne pense pas me limiter au Congo. Déjà, avec ce que Madjab a fait, Naba appelle la bandeau, ce n'était pas seulement le francophone. J'ai vite compris qu'on a même atteint l'anglophone partout dans le monde. Et les gens qui attendent déjà ce qu'on va faire. Déjà, je peux dire déjà dans la première position que Madjab a apporté une visibilité globale. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on est suivi partout. De un, voilà, juste là, on parle d'abord de la visibilité. Et même les visibilité, ma cachie. On est suivi de partout déjà. Et aujourd'hui, si on lance une chanson, on est sûr qu'on sera suivi de partout. C'est vraiment. Déjà une grande chose. Voilà. Vraiment. J'espère que Olanda qui laisse gagner au Bazo qui contre dans ma job. Oui, oui, oui. C'est fait comment? Et ça, qu'on aime. Il s'aligne à plaisir déjà. Frère Isaïe, c'est un frère que je salue en passant. Isaïe Ndombe. Les autres, on ne se connaît pas encore, mais. Les Bazubango, parce qu'à Madjab, on ne prend pas quand même Moutoye Kaboué. Donc, ce sont déjà des personnes qui avaient déjà commencé leur carrière dans Nengana Bango. Et Madjab a cru à leur talent, à faire signer Bango par contrat. Vraiment, bon vent à vous, mes frères et sœurs. Dans ma boîte, Kenelli Bosso, avec le contrat au Bozui, à Madjab. Balbom Namino Tozo, il est déjà pour commencer à consommer ça pour la gloire des yeux. Voilà, on est ensemble. Vraiment, merci à vous, notre cher abonné. De votre chaîne de préférence, alors c'est bien le QRDC. Ouais, j'ai dit un grand merci à vous, celui qu'on appelle Sarah. Sarah, on y a la beauté. Alors, je te salue, je ne t'oublie pas, depuis la France, ma sœur. Alors, sans oublier aussi toute la famille Mampouya et à toute la famille Kangala. Azer, le père de français, je te salue. Alors, voilà le frère Dersini. Merci Dersini. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous envisagez après Madjab? Déjà, après Madjab aussi, c'est une carrière qui doit commencer. J'ai hâte vraiment de commencer ça. Moi, je me dis... Vous avez Madjab, des projets? Ouais. Déjà même là, quand je vous parle, je suis au studio depuis, depuis 5 mois. Je suis entré d'enregistrer mes chansons. Mais vu demande à Abatou, je pense déjà faire Nini cover à Ekoué. Mais je pense faire ça dans la langue Nabiso Congo, français, moi Chiluba, moi Lingala. Ça va épater. Voilà. Ouais, il faut. Déjà, je n'ai pas encore extrait de façon. Je n'ai pas encore tout fini à traduire en haut. Juste mon extrait. Ode Zambi, Wakatuma, Bangelo, Wakutulama, tu es le Dieu vivant, oh. Mon roi, nul n'est comme toi. Ozan Zambé. Ozanzambe na bomoi, mosu soazalite. Voilà, c'est un peu ça l'extrait. Et après, il y a déjà des chansons, tous ont enregistré petit à petit. Je crois déjà. Des singles, vous avez un album?
Non, je prépare un album. Un album, ouais. Mais je crois qu'avant l'album, il y a on sera moi single. On a parmi les chansons là dans mis moi extrait. Après album est l'année Nassima. Est-ce que je peux faire un morceau? Je sais pas. D'accord, pas de problème, c'est sûr. OK. Devant toi tous genoux fléchis et toute langue confesse mes limites, je les ai franchies car tu me soutiens sans cesse. Les montagnes sautent comme de béliers devant ta majesté. Tu as fait de moi ton allié pour chanter ta royauté. Adonai, El Shaddai, Yahweh le grand je suis. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci à vous. C'est très sensible. Alors, merci pour cette grâce. C'est moi qui vous remercie. Oui, merci beaucoup. Et voilà vos actualités. Parce que vous avez un groupe de gens au travers de Bango. Oui, déjà, on a notre groupe Ngoluwood Music. Avec qui on a déjà commencé. Ngoluwood, c'est un mélange de lingala et puis l'anglais. Mm-hmm. Ngolu, qui veut dire la grâce. La grâce, oui. Wood, qui veut dire bois en français. Mm-hmm. C'est juste pour dire bois de grâce qui est la croix de Jésus-Christ. Quand est-ce que ça a commencé? Déjà, je peux dire il y a deux ans. Depuis que je suis rentré à Kin en 2018, j'ai déjà commencé à travailler en coulisses, dans le studio, tout. Mm-hmm. Voilà, donc je crois d'ici peu, on va présenter notre groupe au grand jour. C'est un peu ça. Voilà tes actualités, Bateau Bazo Landayo, vous avez besoin de soutien, tout. Ok, les gens qui veulent nous soutenir, vous pouvez déjà vous abonner sur notre chaîne YouTube, Diarsenim Pongo Samuel, sur notre page Facebook, Diarsenim Pongo Samuel, sur Instagram, Diarsenim Samuel. Voilà, notre numéro WhatsApp, c'est le 082. 017 27. Nous n'avons pas encore fini, je vous signale déjà. Ok. C'était en fait, j'allais dire, les actualités. Ok. Il y a album Nayo. Ok. Groupe Nayo. Uh-huh. Et voilà un peu. Ok. Déjà, actualité concernant notre album. On est en train de préparer notre album qui va se nommer Je suis sûr de mon Dieu. Pourquoi je suis sûr de mon Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous a appelés dans ses ministères. Avant de venir ici, on avait déjà dit que quand tu vas rentrer à Kin, je vais t'élever. Donc, certaines choses qui sont en train d'arriver en ce moment-ci, ce n'est pas une surprise. Voilà pourquoi depuis Katanga, déjà, j'ai enregistré là-bas l'album sous le titre de « Je suis sûr de mon Dieu ». Déjà, quelques morceaux qui sont déjà finis et qu'on est en train de travailler encore ici sur place à Kin. Voilà, pour le moment, les groupes travaillent encore en coulisses jusqu'à ce que l'album va finir. Par la grâce de Dieu, je sais que je vais avoir les contacts avec Madia Bougostel. Okay. Et pour encore que la chose soit grande. Voilà. On croit toujours. Voilà. Bon, en fait, tout le monde aura Ndenge et les Gara, surtout plus dans le Congo, précisément à Kinshasa. Vous êtes chanteur ou une chanteuse. Okay. Après un moment, tout le monde a les frères de Arsenia Gomotea. Est-ce que. Voilà, tout le monde a les appellations Garato. Ça vient seulement comme ça. Bon, moi je ne crois pas que ça vient comme ça. C'est ces personnes-là qui sont en train déjà de prêcher. Déjà, un musicien chrétien, c'est un évangéliste. Mm-hmm. Donc, quand on dit gospel music, c'est-à-dire musique évangélique, notre zoo a porté plus la parole de Dieu dans notre musique. Donc, ce n'est pas une surprise. Mais moi, je crois que je serai plus dans la musique, moi. Mais on ne sait pas. Toi, tu peux dire A, mais Dieu dit B. Je crois que. On va juste obéir à la voix de Dieu, voilà. Mais pour le moment, on est plus dans notre musique, voilà. Ok, voilà. À part la musique, qu'est-ce que vous faites encore? Signifie encore quoi? Saladini, tout ça. Voilà. Les gens veulent aussi te découvrir une autre façon. À part la musique, je suis ingénieur électricien. Donc, si on a maintenant qu'on a vu, vous avez des chantiers, vous pouvez nous appeler. VOB, Nézalara. Interrupteur. On fait notre installation. Voilà, je suis aussi dans ça. Voilà. Je suis ingénieur électricien. Voilà. Ok, voilà. Merci à vous, nos très chers abonnés. Oui, voilà le frère. Arsini. Ouais. Il y a des gens à qui ils ont fait des remarques. Moi-même aussi, je l'ai suivi, vous avez dit. Pourquoi as-tu pitié de comme ça, c'est par rapport à quoi? Oh là là. Les gens m'ont mal compris. Non, c'est... Déjà, à Madiabou, ça. Donc, j'avais vraiment beaucoup parlé, mais vu la émission, je crois que Bakatagi va côté Moussousou. Quand je parlais que j'ai pitié des autres, je ne le disais pas dans le sens
minimiser Baninga, non. Il y a de grands chanteurs tu vas là-bas. Les autres. Bon, ça dépend de façon à mon télé émission, voilà. C'est pourquoi parfois il faut quoi bah quoi parler Teinga quoi. Ah, OK. Alors on a sens, il y a les gens oh, bah ont travaillé pénaté. Est-ce que quoi que la mutune si par exemple le frère Lokwa, tu auras pitié de lui dans sens ni. Non, non, j'essaie grand chanteur le frère grâce Lokwa. Voilà. Le frère, uh-huh. Par exemple, je l'appelle Marvin Sab. Son nom, c'est comment quoi? Espérant. Voilà. Va chanter à Mouné Nébou. La sœur, comme la sœur Grâce Kabea, que j'ai salué en passant. Mm-hmm. Bah, ça est belé. Bah, ça est belé. Bah, Lix Mimbole. Bah, ça est belé. Bah, Zoé Makitoko. Mm. Et tu sens qu'il y a Zoé Makitoko. Tu as du frisson. Il t'est fait entrer dans la présence de Dieu. Mm-hmm. Bah, t'en es encore qu'il a vraiment pitié par rapport à quoi. Donc, c'était juste une façon de motiver certaines personnes. Bah, Zoé a conscience qu'il y a la compétition. Mm-hmm. Parce que déjà, On avait eu à faire des castings quelque part avant toi à Madjabou. Mm-hmm. Tu vois que la personne a Zoé bien, mais peut-être Choua Nzembo et Katie. Mouta Zoé bien, mais il ne maîtrise pas bien le français. Aïe Manana Lingala, Akel ou Kanzembo a français et Katie. Donc j'étais en train de parler de la façon en genre que quand tu es musicien, au concours, concours est à l'église. Concours est à l'église, il y a des gens qui sont chacun a eu vendre talent. Donc sur ce, il faudrait que tu aies un copain. Registre en arrière, déjà avec ma voix, ça va très bien avec genre style Oyo, genre Banzembo Oyo. Déjà avec, quand on a eu anglais, il faut peut-être en français, il faut peut-être en lingala. Donc c'était bah détail, Mike. Voilà. Voilà. J'ai eu un petit avec qui on a travaillé depuis Kala. Je n'ai pas ça qui est un conseil trop. Toi, avec Timbre, bon, il chante plus que moi, le gars. Mais moi, diction en français, il s'agit de bien. Et quand il y a un Madjabou, après, il s'est ravi, il a raison. Nous avons lingala. Je crois qu'il allait faire même mieux plus que nous. Mais parce qu'à quel côté, il a tellement forté. Et il y a parce que Jurana et Zabla, il était. Donc, ce sont des gens qui s'y connaissent. Quand tu arrives devant eux, il faut dire qu'est-ce que tu amènes. C'était dans ces gens-là. Ils ont le sens à communiser. Bandegona biso mais juste tout ça, on a compétition. Voilà. Voilà, vous avez eu vos réponses déjà. Vous vous êtes beaucoup inquiété, vous vous êtes beaucoup dit ok absolument pas ni ni rien quand tu ni ni non voilà le frère Diarsini est très sympa comme vous pouvez le remarquer déjà la partie déjà beaucoup c'est quand on sourit et bien que bah il barca mutupo nambala mokote mais vous savez être chrétien c'est aussi supporter et encourager aussi les autres voilà le frère Diarsini est-ce que vous chantez aussi de voix de femme est-ce que aux arabes n'a donné ou interprété la voix des femmes bien que moi j'ai pas une voix j'ai beaucoup essayé mais est-ce que vous travaillez aussi la voix des femmes déjà au Congo j'ai été intéressé une fois par une sœur Nadine Monga elle a fait la chanson Nathalie likolo nase na monite na nyoyo akokaki kolongola kopa kufali boso na ngai yango tala lelo moteme komate kotinda na loba. Allo, banaye, mama, kamosali, yaye, alléluia, mon santo yoku, mama, nayo. Donc, c'est une chanson qui m'avait tellement béni. Voilà, j'ai commencé à m'intéresser aussi aux sœurs. Et, na libanda, déjà, nazo, mi kako travaille, mi kolo, mama, Rebecca Malope. Ah, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce que vous avez encore un modèle, une modèle? Voilà, déjà, déjà elle a un modèle, nanga, déjà. Uh-huh. Donc, quand je parle d'elle automatiquement, il faut na qu'elle ne peut travailler, mama, l'or, parce qu'il va ça. Presque catégorie moko. Moyo, moyo, moyo le luche suka. Moyo, moyo, moyo le luche suka. Bon, je ne sais pas qu'on maîtrise bien les paroles, mais je suis en train de la découvrir un peu, voilà. Je me suis dit, il y a vraiment ma maman, il y a des choses qui sont bien. Tant qu'il n'est plus moi côté, j'étais plus focalisé côté à papa, mais cette fois-ci, il n'y a pas tapé moi. Côté Abama Nabiso. Oui, voilà, voilà, nous avons vu, vous avez cité le nom de frère Grâce, le roi, que je salue déjà en passage, j'avais dit. Salut mon frère. Et le frère Espérant Mwanda. Voilà, les Marvin Sap Congolais. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez aussi de bonnes relations avec certains d'autres? Ouais, c'est déjà une famille. Déjà, tout ça, là, qui groupe Nabiso Yaba Vert, Madjabou. Vraiment tout ça est belé. Comme nous avons bien bien mais on est vraiment nombreux, on a un groupe de verts. Déjà tout ça on l'aura bien là-bas, frère moi je l'appelle comme ça Marvin Sap, Espérant, ma sœur Grâce, il y a Lix Mimbole, il y a frère Lokwa, lui vraiment dans tout tani penaté, il y a ça est belé tellement on a de bonnes relations tout ça là. Voilà, on est là vraiment c'est déjà une famille Madjabou quoi. Voilà. Ok, voilà. À part, vous avez dit que vous avez travaillé beaucoup avec le frère Mike Kalambaye.
Bon, pas tellement beaucoup. Donc, je veux dire, lui, c'est un père en amont et en aval. Mm-hmm. Donc, c'est quelqu'un que j'ai déjà aimé. Nabalom Naya Kalaba, dans sa présence, vol 1, vol 2. Mm-hmm. Voilà, déjà, on appréciait qui talent. J'ai eu à le travailler en coulisses. Parce que déjà, dans le temps, dans notre église, la Chapelle des Vainqueurs, il y avait déjà deux frères qui chantaient très bien, Papa Mike. Et moi, je voulais faire autre chose que ça. Malgré que je n'abandonne pas l'ingaye, mais moi, il y a un peu côté en Ezalaï Penate. C'est là que j'ai découvert notre papa, Matou Samuel, un album Naé Espoir, en 2009. Okay. Voilà, c'est la première chanson. On a Naé Mba dans l'église Nabiso. Yon de pole nanga, oyona tchela kamotema. Yon de mwinda nanga, zela oyona bilaka. Nago gende lisusu wabye, yon de maloba na bomoy. Et tamboli nanga na sena tango yo. Egamba mina yonkolo yone polé. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, à part le frère Mike Kalamba, vous avez travaillé encore avec d'autres personnes? Oui, je travaille aussi le pasteur Mike Flore. C'est quelle chanson encore? Oh ya tambola ngili kolo ya mai minene aku mama libela. Oh ya logo takabato na fulo sokoli bango yeso yo. Il y a aussi la chanson Diganga ina ebiso maloba omotema nanga lati bona kokumisa yo e shilo e sokina bandiko koma makazanyo somo kile kosela nkolo po yo salese bele e baba. Voilà, il y a tellement de chansons. Voilà, notre cher abonné, vous êtes découvrir point caché ya frère Dersini. Vous êtes découvrir non seulement kaka te modèle à papa Mike Kalambay, son mentor, et il a d'autres personnes à qui a préféré. Voilà, si il faut aller plus loin, le frère Dersini, votre instrument favori dans ta musique. Ah, j'aime la guitare, hein. Malgré que Naïbi n'a pas tellement bien aimé. Ouais, j'apprends déjà la guitare. C'est un instrument qui m'a servi à beaucoup écrire. Depuis qu'il y a eu quelques notes, j'ai tellement écrit des chansons comme ça. Malheureusement, au Lélon, j'allais gratter quelques morceaux que j'ai écrits, mais malheureusement, la tiki. Donc, c'est ça mon instrument préféré, vous vous la guitare. Comment, en présence de votre guitare, ma guitare, je peux dire, la guitare, c'est tout pour moi. C'est un instrument qui m'a aidé dans les moments de la solitude, quand Marambozo qui est bien dans la vie. Donc, moi, je chante quand j'ai mal, je chante quand je pleure, je chante quand je suis triste, je chante quand je prie. Donc, avec la guitare déjà, dans une guitare, nanda où vraiment, je sens comme si ma kati parti mon gonangai. Voilà, c'est un instrument que j'aime tellement, qui m'accompagne dans tous les moments de ma vie, voilà. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire vos chansons? Waouh, je peux dire mes chansons chrétiennes, oui. Oui. Mes chansons chrétiennes, je peux dire déjà. Ah, quand vous dites mes chansons chrétiennes, Osaka. Ouais, nanda qui demande gambo na moi. Ouais, à un moment donné. Pendant combien de temps? Vous vous sentez comment d'abord? Parce que vous avez dit que vous étiez dans une famille. Ouais, je suis dans une famille chrétienne. Vous êtes dans une famille chrétienne. Voilà. Et quand vous êtes parti dans le profane. Ah bon, c'était juste un moment d'égarement, mais grâce à Dieu rapidement. Combien d'années vous avez fait des années vous avez fait... Oui, oui, je peux dire depuis quand j'étais en deuxième CO jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme d'état, donc je peux dire. Ça a pris. 4 ou 5 ans comme oui, ça. 5 voilà. Ans, oui. Voilà, j'ai travaillé un peu comme musicien à Ngamwanamamouké, et puis grâce à Dieu, on s'est vite rattrapé Tozongi. Vous avez aussi des frères que vous préférez? Ah bon. Vous savez, être chrétien ne nous sépare pas avec nos frères. Oui, je bien sûr qu'ils sont profanes, mais nous sommes tous des créateurs. Oui, dans le temps, j'ai travaillé quelques personnes. Mm-hmm. Voilà, après, j'ai travaillé notre frère Singhi là. J'ai travaillé notre papa JB dans le temps. Je travaille aussi dans le temps de travail équipé, notre grand frère Fali Poupa. C'était comment quand vous avez entamé la carrière? Ah non, ça c'était juste. Ça a pris du temps. Là, je n'avais même pas encore la conscience de qu'un jour on a comme un musicien. C'était juste Nanda Kozo et Manaba Mi dans notre petit orchestre du quartier, Sagesse Musique, c'était un peu comme ça. Ah, okay. Mais c'était pas quelque chose, je me disais qu'un jour on a comme un musicien. La famille voilà. Bani. Ah papa, Wano Lingangote. Je me rappelle dans le temps, Nabano Salaba Banjo. Je ne sais pas où il y a Banjo. Ils ont dit moi guitare, mais à trois cordes comme ça. Soit Koutio Salango, Katiango, et puis c'était comme ça. Uh-huh. Et Abouakiango, il ne voulait même pas ça. Pour lui, c'était les études ou rien. Voilà, les parents n'approuvaient pas déjà ça. Mais la chose grandissait tellement en nous. Grâce aussi à la discipline, à papa, à Nabiso, je me suis rapidement ressaisi. Uh-huh.
Nazongeli, Kosa et Lankolo. Et c'était en quelle année que vous avez commencé à écrire? Donc, je peux dire, déjà en année 2004-2005, déjà, j'écrivais. C'était facile? Bon, je ne sais pas si c'était facile ou difficile parce que déjà, j'ai grandi avec un père qui écrivait et c'était automatiquement en moi. J'écrivais facilement comme ça. Même, j'ai vite pris la conscience de la chose vers les années 2009-2010. C'est là que j'ai commencé à écrire le morceau chrétien. Voilà. Shogumi guna mile mile mumpongo leza ni mubi banda banda. Ibaji bakubenga bakubenga. Tue tutufafwa neba yesu tubanda tukweka wabwalu weba. Wakambula modeka iseteji kuchibi. Heko shalamu lombo juabantu kubugola wachanza cheba. Hei lesa wamule na pesi yomote manangai. Yo moninga nanga ngolumo nene kwa yeba yo yeswe. Na pesi yo motema nanga. Nyoso yanga yesu pona yo. Atana tamboli na libulu na kufa. Na yebi papa yo zali pona kolongi sangai. Mwamba ni yesu mwamba. Hey baba. Mwamba ni yesu mwamba. Leza wamule. Majiba kweye mena wetu zambika batu bafuishi wabundu. Là, nous sommes presque à la fin de notre émission. Ce jour, voilà, nous avons ici pour vous le frère Diarsini Beya, à qui vous connaissez déjà à travers Majabu. Bato Bayeba qui était, vous l'avez découvert. Alors, bon, monier, vous voyez qui peut battre talon, vous voyez qui va voir naïe, vous voyez plus en ce qui concerne le frère Diarsini. Okay. Voilà le frère Diarsini. Ndenge Obanda qui ont déjà, voilà, nous voulons terminer déjà, nous voulons mettre point à notre émission. Ok. Voilà, tu contacts. Okay. Bah, adresse Nayo, où okay. Les gens peuvent te retrouver. Est-ce que vous avez d'abord un siège où vous répétez, vous faites... Jusque-là, on les fait à la maison. Mm-hmm. Vous avez un studio où on vous produit, il y a quelqu'un qui vous soutient. Bon, jusque-là, on n'a pas vraiment, on n'a pas encore des producteurs. On y va d'abord avec les moyens de bord. Mm-hmm. Voilà. Mais pour ce qui cadre avec les répétitions, jusque-là, on travaille en coulisses à la maison, à la 16e rue, l'unité industrielle, juste à côté de Vita Club. Voilà, on est là. Ok, vous recevez aussi des invités, par exemple, comme ça. Tout le monde rote à la bino, pas le bino. Je pourrais venir vous visiter. Ma caméra dans l'IP, on fait une émission, on voit les lives. Ok. Bon, jusque-là, on ne l'a pas encore fait, mais je crois que prochainement, on pourra le faire, si ça ne me dérange pas. Ah, ok. Oui, voilà notre message. Ok. Notre numéro de contact, c'est le 082 017 2741. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Et notre compte Facebook, c'est Diarsini Mpongo Samuel. Instagram, Diarsini Samuel. Et puis YouTube, Diarsini Mpongo Samuel. Vous voulez répondre dans les numéros? Le numéro de téléphone, c'est le 082 017 2741. Voilà, c'est par là que vous allez avoir des actualités du frère Diarsini. Voilà, moi je l'appelle. Ekouemé. Ekouemé, voilà. Voilà, moi je l'appelle comme ça. C'est un frère à qui j'ai découvert aussi à travers Madjabou. Et les gens ont pleuré à écouter la chanson. D'ailleurs, c'est une chanson que j'aime aussi beaucoup. Malgré il y a un petit peu difficulté à diction toujours. Parce que l'anglais, vous savez, c'est pas facile. Voilà. Et bien qu'il y a des gens qui disent non, anglais, le qui en haut est français. Anglais, le qui français n'est pas facile. Mais vraiment, vous savez, quand vous chantez en anglais, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, en tout cas, s'il faut le dire. Il faut avoir la maîtrise et tout. Donc voilà, vous avez découvert votre artiste, musicien, le frère Diarsini. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Un mot et un dédicace. Oh, bon, dédicace à tous les gens qui te suivent. Voilà. Et Nabatono Sohoyo, je préfère. Vraiment, je salue tout le monde qui me suit à travers le monde entier. Je ne sais pas, les États-Unis, Europe, France, partout, vous êtes. Que Dieu vous bénisse vraiment pour vos soutiens. Et comme Elagi Bisso, appel Nabino, encouragement Nabino, ça nous a vraiment fait du bien. Et ça nous a encore donné la force de continuer à travailler dur pour la partie qui va suivre de la compétition.
Et puis, je profite de l'occasion pour saluer maman Lily, le conseiller, le pasteur Kadi Jubel, papa Lépipé. Je salue le pasteur Guy Richard, papa Lépipé, big up à vous. Je salue le pasteur Jubel Kadima, maman Lily, mon frère Junior Tojibiki, les Clay Chituka et tout le monde qui me connaît. Je vous aime par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Voilà un petit conseil voilà. De quoi vous avez dit carrière. Oh, conseil, ce que je peux dire, c'est de continuer non, toujours oui, à... Oui, Sika, oui, bien sûr. Ouais. Nous avons toujours des expériences. Il y a... Ok, expérience en coulisses. Ok. Des expériences. Ok. Quand vous avez commencé, vous avez eu des temps difficiles. Ouais, vous avez ouais, eu aussi ça, des ça, temps où vous avez éclaté au senti que vous n'avez pas mis ici. Ok. Non seulement que vous avez mis bioté, mais voilà. En toi, tu te sens que je suis au moins capable de prester. Déjà, comme vous l'avez fait à Madjab, okay. Vous avez presté les gens... accepté et voilà et ça déjà pas voilà à tous ces gens là où déjà bon ben d'ailleurs carrière un message à eux déjà les gens qui commencent leur carrière c'est tous ceux qui sont appelés parce que c'est pas tout le monde qui est appelé vraiment si tu es appelé ma soeur mon frère il faut croire à ton appel parce que ce qui est vrai c'est que Nanzela Mabakweza est belé parce que nous autres là à un moment donné on a dû abandonner. Tu vois les amis en train d'évoluer dans l'électricité et toi tu te dis Natik Kapena Moussa Nana Kenne. Musique, c'était pas facile. Autour de moi, les gens ne les prenaient pas vraiment. La famille, personne n'acceptait que les sujets dans ce qu'ils allaient qui bien. Mais aujourd'hui, ça commence à porter des fruits. C'était pas facile de quitter. Au Tikapena Magamon, son Akolosi, là où il y a beaucoup d'opportunités à Misala, tu rentres à Kin pour la musique, il fallait le faire. Donc, si vraiment tu es appelé, crois dans ton talent, crois à ton appel, continue quel que soit le vent et marée, un jour, les portes vont s'ouvrir et le monde va accepter ce que tu es en train de faire. Voilà, merci beaucoup à vous, notre cher abonné de l'EcoRDC. Continuez de vous abonner massivement et beaucoup à la décider, comme on dit toujours, c'est le travail. Alors, continuez de vous abonner et vous allez être encore nourri, encore de plus. Nous avons eu un temps mort, comme je l'avais dit auparavant, et avec tous ces désagréments, alors nous sommes désolés. Et vous allez vraiment nous excuser, s'il faut le dire en lingala déjà. Et la bande de connions surtout. Et Bolimbici, tout ce qui m'a un problème, il y a technique. Alors avec tous ces temps de... vous allez vraiment nous excuser. Mais continuez toujours de vous abonner, vous l'embattez, et vos remarques, vos likes, vos commentaires. Et ça, c'est bien, ça nous motive encore de plus. Donc, continuez comme ça, là, travail, madame. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'ai dit un grand merci à vous, à celui qu'on appelle Jean Tchoubou Tchoubouaboua, et à toi aussi, ma consoeur. Margot, tout le monde. Hein. Sans oublier à toi, la femme de fer, la dame de fer, je l'appelle comme ça, Fololo Yabutema. Donc, ma mère que j'aime beaucoup, Florence Mboukoulbela, une femme battante, la combattante. Alors, je te dis un grand merci. Et à toi aussi, à celui qu'on appelle Irsil Massamba, ma coiffeuse, bien que nous avons eu aussi un temps. Il y a Romain Nanaté, dont je te porte au cœur. J'ai dit un grand merci à ma famille Mampouya. J'ai dit un grand merci à la famille Kangala et à toute personne qui continue à soutenir toujours la Queen B, Béni Mampouya. Alors, je vous aime beaucoup et on se retrouve à notre prochain numéro. Voilà, bye. On vous aime beaucoup. Au revoir.